nécessaire. Me rendre là-bas, c'est ça l'idée. Bah j'en prends le passage, là. Allez, go. Ok, allez, go. Ah mais là, ok. Rock s'est passé par ici, avec ses marques. Quelqu'un ou quelque chose est passé après eux, mais je pense quand même que c'est un des signes de Rox. Oh là là, ça sent les embrouilles. Remonter. Quelque chose de gros approche. Oh là là.
C'est là-bas, mais putain, mais y a pas de... Pas en chemin, en fait, quand... Donc, je suis passé par là. Au début, on est d'accord, je suis passé par là. Après, traversé, nanana. Hop. J'ai trouvé son champi, et c'est là où ça merde. Après, il y a un chemin... Vous allez mourir. Bien, parfait. On s'amuse. Après là-bas, il y a un courant ascendant, donc pourquoi pas. On va essayer, hein, ça ou autre chose. Ah quoi que, il y a un truc par là. Ah bah non, mais c'est par là en fait. Non. Leur disposition n'a rien d'accidentel. C'est un signe. Eh ben allez. Sans les bouches, je peux pas les utiliser. Hein. Je peux pas encore. Ouais, c'est bien. Comment on y va là maintenant? J'espère qu'il était là, je vais choper le point de passage. Hein. Ici, il y a un point à prendre là-bas. C'est...
c'est moi, je veux aller où? Je veux aller là-bas. Hein. Mais je peux passer par là. Comment faire pour aller là-bas? Mais sinon, s'il faut arriver par là. On va attaquer là. En gros, sans les raccourcis, il faut que j'arrive. Si j'arrive par les trucs qui sont là, je vais me faire taper encore là. Oh là là, mais. J'ai pas de points là. Je suis bloqué là dedans. Ah, y'a rien. Ok, un truc, un endroit, mais je pense pas là. Mais c'est bizarre qu'il me fait passer par là si finalement on peut pas y aller là, je comprends pas l'idée. Ah non, quel con. Putain, c'est lui qui va me tuer. C'est le problème, c'est de retrouver la piste, elle est de l'autre côté de la montagne, quoi. Donc, je comprends pas comment je peux y aller, quoi. La façon que là, c'est fait une enceinte, je peux rien faire.
quoi. Je suis un grand arbre. Qu'est-ce que je vais faire à cet endroit? Ne pas se prendre les éboulis en plein temps. C'est actitivement très mal. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Oh putain. Ouais. Je pense que c'est un puzzle jam dans le grand arbre. Je suis très content. Ok. Alors c'est super, mais... Ouais, c'est en par là qu'on va être passé, hein, pour aller là-bas. Hein. Là, mais bon, là ça a rien à gagner, je vais rester bloqué.
L'autre, c'est une cascade, je pense. Bon, eh ben, c'est super. Bon, je vais essayer de suivre le chemin, serpenter comme ça et d'aller par là. Mais... Puis, je peux me déporter ici, je suis peut-être plus proche. Oh, comme elle me gonfle là. Une chose est sûre, je ferai pas les maps là à 100%. Alors, je suis où? Je suis là. Mon but serait d'aller tout droit, là-dedans. Là, si je vais là, je vais tomber. Je passe par en haut. Il y a pas un endroit où je peux sauter là pour. Bon, je vais prendre cette route et je vais essayer de faire quelque chose. Mais le truc, c'est que la route là, elle va se plonger dans la caverne. Bien, on peut pas passer là. Oh. Je crois que je vais monter ma maîtrise pour prendre les bauges et puis... Sinon je crois que je vais vraiment me faire chier pour essayer de trouver comment... C'est que la vendeur.
Oh, ça, c'est les beaux gens. Je m'entraînais pour ça, hein, parce que là... Ça me saoulait, en fait. C'est vraiment, j'arrive pas à voir comment je peux passer... Comment je peux passer autrement que... Les agents du pacte avaient raison. Ces insectes sont attirés par le flux de magie. Les insectes suivent l'odeur de la magie pour avancer. Ça va être du gâteau. Les soldats du pacte nous ont prévenus, mais les insectes foncent dans la jungle comme une tornade. Comment combattre ces insectes? Ensemble, ils forment un ennemi redoutable. Voilà. Ça quoi. Je me demande comme s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas un chemin. C'est bizarre parce que tous les autres points ils m'ont dit que j'étais obligé de monter telle ou telle maîtrise, mais ils l'ont pas dit. Donc, En montant là-dessus, on peut peut-être choper un courant ascendant. Sur ma peau, on doit approcher du but. Attention,
Les insectes n'ont aucune pitié. Et vous n'avez pas l'air bien costaud. Tuez-les tous! Du cœur de la bataille. Il vaut mieux prendre ces œufs-là. Ce sera plus facile de partir avec. Aidez-nous à en apprendre plus sur ces insectes en rapportant des œufs au campement. Oh, attends, mais attends, mon gars. C'est que là, tu viens de montrer l'entrée pour aller faire le truc que je dois faire depuis tout à l'heure. Oula. Oh, purée. Et bah du coup j'ai bien fait de la faire cette... Bonjour. Alors analyser la marque oui, mais peut-être pas tout de suite en fait. J'étais où? Oh putain, elle est en plein milieu en plus. Rock s'est passé par ici. Avec ses marques, aucun doute. Je suis à mes côtés. Hop, écran. Ouais, j'ai pas me péter en char champion, non? Sûrement, ça des gris, enfin des argentés ou des dorés, donc autant dire que non. Je remonte ou je descends? Je remonte. Merde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, je descends. Thank you.
Ah non, mais ça passe! Oh, terrible. Quoi? Ok, d'accord. Non, mais c'est une mauvaise idée. Merde. Ça, c'est une mauvaise idée de cette fracasse. Bon. Là je pourrais aller là, mais là tout de suite j'ai pas envie vu que je trouve, faut que je trouve un truc ici. En tout cas, j'ai vu qu'on redescend, super. Au pire, je peux faire le changement de zone juste pour échapper le waypoint du repli des dragons. Là. L'objectif, c'est qu'à mon avis, après, c'est là que je dois aller en plus. Restez à la boue. Waouh, ça c'est de l'armure de qualité. Merci. Ouais, par au-dessus. Oh, il a trouvé la trace de Ross quand même. Elle va être en bas, je pense, la trace. Et à mon avis, c'est juste pour me dire ce qu'il faut que j'aille dans cette zone. Donc. Ah, retrouver la... Attends, mais il y avait une... Ok. Voilà. Oh,
Jugez! Ces traces ont l'air fraîches. Je ne dois pas être loin. Et hop, on va vite partir de cette zone. Cette zone de mort, non? Ouais, non, mais les zones d'Earth of Town, jamais je les fais à 100%. Alors, faut que j'aille où? Moi, j'ai le point de passage. On ne tape pas direct, on va quand même essayer de visiter un petit peu. C'est bizarre, hein. D'accord, parce qu'en fait, c'est parti du même pacte et du même... Comment on va dire? Ah, la fermeture de la carte en 25 minutes, d'accord. Voyez le commandement de base du pacte et préparez l'assaut. Ok, retrouvez le reste de votre équipe, allez go. Non, c'est instantiel, hein. Je me demande si Zodja ou Logan ont une idée du point faible du dragon après tout ce temps passé aux côtés des Mordrem. J'avoue que je suis surpris. Vous, recueillir des informations plutôt que de tout régler à gros coups de masse. Ça reste une possibilité. Nos deux amis savent peut-être quelque chose, mais nous devons d'abord leur porter secours. Et ça exige que l'on rattrape le reste de l'équipe. C'est que ça. Ouais, si ça va cracher les bestioles. Ça fait vraiment plaisir. De me voir avec ce bandeau sur vos yeux. Les recherches On est toujours sur leur piste. Mais cette zone fourmille de patrouilles de Mordrem. Pour être honnête, on ne serait pas allé bien loin sans un coup de main. Heureusement que vous êtes là. Qu'avez-vous trouvé à Ratanovus? Leurs recherches indiquent que Mordremoth a un point faible. Il nous suffit de découvrir lequel. Arrêtons de gaspiller notre salive. Nous avons des compagnons à sauver. Vous devriez s'approuver. Ah, c'est bon d'être de retour à vos côtés, Ritlock. La façon Rox, on... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, hein ? Ah, mais c'était écrit ou pas, j'ai... Et Logan jusqu'ici, si près du cœur de son pouvoir. Vous croyez que Mordremoth savait qu'on viendrait? Ouvrez bien les yeux. Hors de question de se faire enfermer ici. Je n'y arriverai pas sans aide. Si Earth of Town se termine sur un combat contre le dragon, ça va être classe.
normalement ça devrait servir comme ça. Hein. Se sépare en deux chemins plus loin. Pas le temps d'essayer les deux. Si l'un finit en cul-de-sac... Ouais. Je refuse de perdre quelqu'un d'autre. Gaspard en éclaireur. On s'occupe de la prochaine patrouille. Rendez-vous à l'embranchement de la route. Tout de suite. On va où, par là, alors? De Casimir ? Ne vous en faites pas. Elle a le chic pour apparaître pile au moment. Où on parle d'elle. Timing parfait. Qu'est-ce que t'as vu ? Je les ai trouvés tous les deux, mais ils sont entourés de gardes. Ils sont en vie ? Je l'ignore. Ce chemin mène à Logan, et celui-là, en hauteur, à Zodja. Vos ordres, commandant ? Ah, merde. Marjorie et Kanak, vous venez avec moi. Vous quatre, allez chercher Logan et essayez de repérer Traheur. Et si on arrive trop tard? Brûlez les cadavres. La manière dont ces lianes bougent est assez dérangeante. C'est presque comme si on sentait le souffle du dragon si proche de lui. Ouais. Le chemin se rétrécit devant. Attention à ne pas vous trouver dans la ligne de mire. Casse. Des archers! Embuscade! Tout le monde, marche arrière! Attention, vous les pieds! Éliminez-les avant qu'ils ne transforment l'autre équipe en flotte des pins! Comme ça, on peut le taper qu'à ce moment. On est encerclé! Waouh! Ils m'ont mis tellement cher.
Ah, mais purée, il y en a encore. J'ai pas vu, lui. Un fissureur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout haut, mais c'est pourri, lui. Alors, on est bon. Là, droit devant. Qu'ont-ils fait? Zodja, vous m'entendez? Hey, je ne vois rien. Non, c'est Marjorie. Où est Taimi? Bon, Hey, elle est morte. Elle n'est pas ici. Ténèbres. Je n'étais plus moi-même, comme hors de mon corps. Vous êtes avec nous désormais, vous ne risquez rien. Où est Taimi? On vient de vous dire que... Elle va bien. Vous pouvez marcher? Je crois... oui. Marjorie, remets-la sur pied et rejoins-nous. Karnak et moi, on part en éclaireur pour trouver les autres. Vous voulez limiter les dégâts en m'isolant, commandant? J'apprécie simplement votre compagnie, Karnak. Je ne vous jette pas la pierre. Après tout. Logan? Ils nous ont arrêtés. On n'y est pas encore. Case, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle était sur la piste de Faolaine. On s'est fait attaquer par le groupe de Mordrem qui protégeait cette branche tordue. Faolaine est ici? Elle aussi? Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, mais ce n'est pas Faolaine. Je suis venu abréger ses souffrances. Fais la queue. Derrière moi aussi. Pas le temps de se disputer. Il faut sauver Logan. Braham, un pas de travers et tu me l'envoies 6 pieds sous terre. Avec plaisir. Donnez-nous ces dagues, traîtresse. Logan. Ces arbres sont des versions plus sophistiquées du cœur. Voilà pourquoi Zodja et Logan ont été emmenés ici. Le dragon de la jungle s'est vraiment surpassé cette fois. Sortez de là! Enfin, c'est fini. Zodja n'a même pas eu le droit à une petite animation. Il est inconscient. Nous avons trop tardé. Son état est bien pire que celui de Zodja. Vous l'avez trouvé? Oui. Zodja! Pas encore transformé en engrais, alors? Ridlock! Je ne m'attendais pas. Où étais-tu passé? Oh, j'apprenais un truc ou deux dans les brumes. Tu sais, sauter dans une faille, tout ça. Les bases. Quelque chose d'utile pour m'aider à arrêter ce dragon? Et si tu nous laissais nous en charger? Cette équipe, elle ne vaut pas moins que nous à l'époque. Comme c'est touchant. Ah. Les héritiers du destin. Encore là, elle. Tu m'as l'air en forme, Logan. Faolaine. Ce n'est pas Faolaine. Mordremoth nous toise à travers ses yeux. Qui que ce soit, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il faudra d'abord m'attraper pour ça. Allons-y.
Cass, ouvre un portail et emmène Zodja et Logan hors d'ici. Rox, accompagne-les et protège-les. Les gars, on va les poursuivre, Fallen, ça me paraît être une bonne idée. C'est pas où on va, la bestiole elle fait 10 mètres de haut. Ça me paraît vraiment dur, de même littéralement. On peut les miquettes la zone quand. Oh la vache. Ah mais ça, ça il faut le péter ça. Comme ça? Oh là là, je crois que j'ai fait de la merde. Pas quoi que. Non, c'est ça, l'hôtel est là-bas. Ah! Allô? Ah non! Ah la honte! Je pensais qu'il y avait un truc qui remontait alors. Il y avait que d'un là. Je pensais qu'il y avait un courant ascendant, mais pas du tout. J'avais bien vu les champions sur le côté, mais. Je suis choqué que vous puissiez massacrer les enfants. Infiniment meilleurs que leur père. Ce sont des monstres. Vous ne voyez donc pas. L'harmonie est proche. Et vous rejoindrez tous Mordremot. Cette harmonie n'est qu'un esclavage, et nous refusons de nous soumettre. Zodja et Logan, mais vous n'atteindrez jamais Traherne. Ah oui, c'est vrai que la Traherne aussi. Il aura le plaisir de servir son véritable maître. Il préférerait mourir plutôt que de le servir. Il ne fera bientôt plus la différence. Sous peu, il sera des nôtres. N'y arrive pas sans aide. Commandant, je vous en supplie, laissez-moi combattre. Je peux vous aider à atteindre Traherne. Tout ce que je veux, c'est tuer le dragon. Sa mort entraînera peut-être la mienne et celle de tous les Silvari. Mais ça vaut mieux que d'être sa marionnette. Ça a toujours été mon seul et unique objectif. Bon, d'accord. Mais trahissez-moi encore une fois et vous rejoindrez Faolaine pour un petit voyage dans les brumes. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes en territoire dangereux. Restez sur vos gardes. Grand Dieu, cet endroit est immense. Il faut grimper là-dessus. On monte. Ok. Ok. On monte.
côté Interville. Hein. Putain, on peut péter ça. C'est vrai que c'était pas... Cette chose, cet arbre, ce doit être l'épicentre du dragon. Oui, je sens le regard de Mordremote posé sur moi. C'est, je crois que c'est la première fois que j'ai un MMO comme ça où il y a du mouvement droit dans les yeux. Sur une zone. Je crois que vous ne comprenez pas, Bran. L'ennemi est partout. Tout ce temps passé à traverser la jungle, nous étions en fait sur son dos, comme des puces sur un chien. C'est vraiment le cas, alors. Je sais que ça ne lui a rien fait, mais j'en avais besoin. Comment le blesser dans ce cas? Il m'a l'air plutôt résistant. Nous finirons par le savoir. Pour le moment, nous devons libérer Traherne et le sauver de vous la destinée funeste que lui réserve Mordremote. Allez. Vous pouvez étouffer les battements du cœur de ce monde. Traherne est à nous. Nous vivons jamais. Il ne pourra pas fuir éternellement, Marley. Comment Par le souffle. Elle aura sa vengeance aujourd'hui. Je sais que Lyre et moi avions une différence. Je t'en conjure, s'il te reste un semblant de lucidité, laisse-nous libérer Traherne. Tu ne comprends toujours rien. Faolei n'a jamais existé. Ni Case, ni Traherne. Seul existe Mordremote. Case. Ignore-tu qu'il est dangereux de se rebeller contre son créateur? Peu importe le prix à payer, le dragon mourra et nous serons libres, dans la vie comme dans la mort. Maintenant, un combat un peu plus compliqué. Bah, c'est très bien, lui, il est pas très bien. Non, Traher ! Même un premier-né ne mérite pas ça. Case, est-ce que ça... Ça ira. J'ai accepté la mort de Faolein quand j'ai vu ce qu'elle est devenue. Partez devant, je vous rejoindrai. Accordez-moi juste un moment pour détruire son corps. Les autres, avec moi. Il est temps d'en finir.
Ok. Entrer dans le gouffre. Allez, on va faire ça, hein, c'est pas bien. Réaliser que nous partons en but de notre quotidien. J'étais conscient par le poids de ma grande chasse, la perspective de l'échelle, la confiance en moi-même, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais bien. Moi j'ai une doute, j'ai l'air qu'on relie après la grande chasse, chère sœur. On va faire quoi? Faut le sauter, aller au milieu là? Hi, Moop. How are you? Mordremot n'a même pas essayé de brouiller les pistes. Soit c'est un piège, soit le dragon est dos au mur. Aucune importance. Traheur n'est ici. Et même s'il sert d'appât, il nous conduira quand même à Mordremot. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Prêt pour un dernier effort? Oui. Je ne serai jamais esclave du dragon. On a de la compagnie. Chemin. Alors en avant. Ne vous éloignez pas, nous ignorons ce qui nous attend. I've seen that the mental has a lot of problems of optimization. Le dragon se concentre sur les combats à l'extérieur. C'est l'occasion ou jamais. Le voilà. Maréchal Traheur, vous m'entendez? C'est les embrouilles. Le pacte. Est-ce que... Anéanti, maréchal. Mais mon équipe et moi allons régler ça une bonne fois pour toutes. Il est trop tard. Je sais. Je ne fais plus qu'un avec le dragon de la jungle. Il est partout. Comment le tuer, alors? En brûlant tous les champs et en rasant chaque forêt? Non. Impossible de le vaincre de la sorte. Il repoussera toujours. Ses racines s'étendent trop loin. Et trop profondément. Dans ce cas, prenons le mal à la racine. L'esprit de Mordremot. Ses plus puissantes attaques viennent de son esprit et passent par le rêve. Voilà notre cible. C'est une bonne stratégie, commandant. Inverser les rôles et retourner l'arme du dragon contre lui. C'est du génie. Pas besoin d'interprète pour comprendre ça. Le dragon n'aime pas cette idée. Oui. Attaquer l'esprit du dragon en passant par le rêve, ça peut fonctionner. Le lien qui nous unit vous servira de porte d'entrée. Les Ratanovan disaient que chaque dragon ancestral a un point faible. Nous venons d'identifier celui de Mordremot. Je suis prêt. En me concentrant, je pourrai ouvrir un accès au rêve et à l'esprit de Mordremot. Vos esprits s'envoleront, mais vos corps resteront dans cette caverne. La métaphysique, merci bien, j'ai eu ma dose. Je reste en arrière pour repousser les Mordremot. Moi aussi, je reste. Si les choses tournent mal, ou si Traheur ne n'est pas ce qu'il semble être, je serai là. D'accord. Trois entrent, trois autres restent en arrière. Vous ne me faites peut-être pas confiance, mais je ne laisserai aucun autre Silvari suivre l'exemple de Faolaine. Je préfère voir mon peuple mourir plutôt que ça. Ma mère mérite qu'on lui rende justice, et j'estime que c'est à moi de le faire. Très bien. Ne mourrez pas là-dedans, ou vous gâcherez un geste des plus nobles.
Et où ? Défenseur, hein. Mon esprit qui sera réduit en cendres quand j'en aurai fini avec toi. Des paroles audacieuses et présomptueuses. À cause de toi, ma légende s'est soldée par un échec. Je suis morte oubliée, déçue et loin de chez moi. Arrête avec tes mensonges. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es qu'un pantin de mort. Le Gerbotron, là, là. Des armes pour cible. Croyez-moi, si vous l'éliminez, lui, elle vous bondira dessus. Ça a marché. Elle est vulnérable. Abattez-la. Ok, ça. Ok, ça elle est pas là pour l'instant en fait. Il est déjà relevé, Jean-Michel. Normal. Encore une ruse. Ici, une faille vient de s'ouvrir. Peut-être que maintenant on peut briser l'illusion de Mordremoth. Plus la faille dans ce cauchemar est grande, plus Mordremoth s'affaiblit. Au travail! Commandant, juste à la fin, elle semblait être revenue à elle-même. C'est parce que nous avons vaincu l'illusion de Mordremoth. La véritable Eir serait fière de ton courage.
Mais par contre, avec caisse, on va recombattre Faolen, peut-être? Ou la grand-mère, carrément. Pauvre petit enfant solitaire, tu nous condamneras tous. Sans Mordromoth, les Silvari cesseront d'exister. Le dragon nous a créés. Nous lui devons la vie et notre nature profonde. Sans lui, nous dépérirons. Je dois mettre un terme à l'influence de Mordromoth. Ce ne sont pas des soldats qu'il veut, mais des esclaves sans cervelle. Tu désires l'harmonie de la nature et tu cherches à assurer l'avenir de ta famille. Mais sans Mordromoth, tu n'auras rien. Je continuerai quand même à me battre. Mieux vaut mourir ou être réduit à néant plutôt que de se soumettre à Mordromoth. Que j'ai pris là. Venez, mes enfants, embrassez votre mère Claire. Thank you.
terminé! Laissez-moi m'en occuper. Je me ferai un plaisir de tuer cette pâle caricature. Attendez. Il faut ouvrir la faille pour affaiblir Mordremoth et lui faire perdre le contrôle. Si vous le dites. Mais je me tiens prête à frapper en cas d'échec. Oh. Voilà ce qu'aurait été l'arbre clair. Ce qu'il serait advenu des Silvari si Mordremoth avait pu conserver son emprise sur elle. J'avais raison. La mort vaut mieux qu'un tel avenir. J'irai jusqu'au bout, peu importe le prix. Mordremoth doit mourir. Cela faisait plaisir à entendre. Mais il va falloir le prouver pour que je vous fasse confiance de nouveau. D'ici là, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Mordremoth semble incapable de faire illusion face à une résistance aussi féroce. Nous sommes en train de l'affaiblir. Si nous brisons son emprise mentale, nous aurons une chance de reprendre le contrôle. Nos esprits sont puissants ici aussi. Profitons-en. Je vais continuer d'éliminer les illusions de Mordremoth jusqu'à ce qu'il soit assez faible pour être tué. Si vous voulez m'y aider, suivez-moi. Mordremoth, là. Moi et perdurer. Ou tomber à jamais dans l'oubli. Nous sommes semblables. Fusionnez vos esprits aux miens. Jamais. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu veux que des esclaves. Mes nouveaux pouvoirs n'ont pas suffi. Mordremoth nous a tous vaincus. Ritlock ! Non. Une ruse, comme avant. Une autre faille ! Ouvrez-la ! Nous devons briser cette illusion et affaiblir l'emprise de Mordremoth. Ah mais là il y a une faille ça. Y'a pas de faille là, c'est pas grand. Ah si là. Y'a une faille. Ouais, faut que je tape Qu'est-ce qu'on fait? Faille ouverte, chef. Montrez-leur qui vous êtes. Je préfère ça. Mordremoth, prépare-toi à souffrir. Nous allons gagner en faisant de ces marionnettes nos alliés. Continuons d'ouvrir des failles jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus envoyer d'illusions. Le truc, c'est que les pages, je sais pas trop s'il faut que je fasse quelque chose, ou alors si elle... Oh.
Ah, oh, merci, chef. Il est temps d'en finir. Prépare une frappe puissante! Protégez-vous! Ou envolez-vous, maintenant! Première fois que tu me manipules, dragon. 69 encore. D'accord avec vous, Forga. Maintenant, finissons-en. Le revoilà ! Protégez-vous ! Décollez ! Esclaves maintenant, Morkamoth. Tu es seul contre nous tous. Soumettez-vous. La victoire est impossible. Vous succomberez tous. Ça.
Suivez-moi pendant que j'ouvre la faille, et nous anéantirons l'esprit du dragon. Ils sont trop nombreux. Je ne peux pas les contenir. Alors on échange de place. Je défends et vous ouvrez la faille. Vos formes se séduisent déjà. Les miennes sont infinies. Thank you.
l'enfer. Et paf, le dragon. Vous avez réussi. Deux dragons de moins, plus que quatre. Nous avons réussi. Mordremoth est mort. Bel et bien mort. Sa voix ne résonne plus dans ma tête. Il est vraiment parti. Et les Silvari sont encore là. Nous sommes toujours... nous-mêmes. Je n'étais pas sûre. Commandant... je... mon épée... Galadbolg... est proche. C'était un présent de l'arbre clair. J'y suis connecté... relié. Seul son pouvoir peut me libérer de ce tourment. Je vous en prie, apportez-la ici. J'ai l'épée, maréchal. Faites vite. Utilisez-la. Sur moi. Tuez-moi, commandant. Quoi ? Non ! Mordremoth est mort. Nous avons détruit son esprit de l'intérieur. Mais j'entends toujours sa voix. Mordremoth est en vie. Un vestige empli de haine. Une graine du mal profondément implantée dans mon esprit. Vous devez me tuer, commandant, avant que cette graine ne germe, avant que Mordremoth ne réclame ce qu'il a perdu. Ce qu'il reste de moi ne pourra pas survivre. Frappez, maintenant. Je suis l'avenir. Je suis le monde même. Vous ne pourrez jamais me détruire. Hors de question d'abandonner maintenant. Fuyez. Tant qu'il est encore temps. Bonne fois pour toutes. Hors de question d'abandonner maintenant. Reculez. Je vais mettre un terme à tout ça. Une bonne fois pour toutes. Hors de question d'abandonner maintenant. Non. Reculez. Je vais mettre un terme à tout ça. Une bonne fois pour toutes. Ah non, c'est juste qu'en fait, à chaque fois, ça cancelle l'animation si j'ai bougé. C'est la fin de dragon. Ok, eh ben allez, impeccable.
Et ben voilà, du coup, Heart of Town terminé. Voilà, donc histoire c'est fait, saison 1 c'est fait, saison 2 c'est fait, Heart of Town c'est terminé également. Et du coup, bon, on va pouvoir attaquer la prochaine fois saison 3 du monde vivant. Le moment qui a accompagné la guerre contre Mordomoth en était lourd de conséquences. C'est bizarre d'ailleurs qu'on voit Aïr avec son loup alors qu'il est censé être mort.